Salut à tous, c'est Dark557 qui est ici pour une toute nouvelle vidéo après de très nombreuses semaines d'absence. Je suis enfin de retour parce que, comme vous voyez, mon casque m'avait lâché. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire montrer le meilleur moyen de cacher une porte, un coffre, une maison, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Ça donne à peu près ça. Vous pouvez mettre un lit. Voilà, je peux pas dormir. Je suis con. Ou carrément vos diamants. Ou tout ce que vous voulez dedans. Mais vous vous dites sûrement comment on fait ce truc. Eh bien c'est ça. C'est très très simple. Donc, deux matériaux. Planche de chêne. Ou tout le bloc que vous voulez. Et un tableau. Enfin, plusieurs, même beaucoup, énormément de tableaux si vous êtes en survie. Alors là, j'avais pris combien sur combien? 1, 2, 3, 4 sur 4 sur 4, ok. Donc, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous défoncez ici. Et j'ai complètement oublié. Il vous faudra des portes en bois. Parce que si vous mettez une porte en verre, vous serez obligé de mettre des plaques de détection. Ou vous pouvez faire un système de redstone. Histoire de camoufler, mais bon, bonne chance pour le faire quand même. Donc voilà. Donc voilà, là on va l'élargir un petit peu. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et le sol. On va quand même pas laisser le sol fait de dirt quand même. Donc voilà. Attendez. Voilà. Voilà. Oui, et j'ai oublié de refermer. Et avant, j'ai oublié. Mon Dieu, décidément, j'oublie tout. Donc, il vous faudra aussi une torche. Éclairée, parce que sinon, si on ferme le bloc... Que là. Ah si, on va voir quelque chose avec les portes, mais comme les portes vont être camouflées par le tableau, du coup on va voir que dalle. Donc voilà. Et là, la partie la plus longue. Et évidemment. Vous savez quoi? Je vais faire une ellipse. Je vais faire une ellipse pour le temps que je choisis le bon tableau. Donc voilà. A tout à l'heure. Bon, j'ai passé une demi-heure à choisir le bon tableau. Donc il vous faudra un tableau 4 sur 4 comme celui-là ou celui-là. Du moment qu'il fait 4 x 4, c'est bien. En fait, la technique pour mettre le bon tableau, c'est de, hop, de se mettre en sneak et de poser le tableau sur la porte. Voilà. Voilà. Donc voilà. Mais les portes sont fermées. J'ai oublié ce petit détail. Veuillez bien laisser les portes ouvertes une fois que vous êtes à l'intérieur. Donc voilà. Laissez les portes ouvertes. Vous laissez les portes ouvertes. De toute façon, ça marche aussi. Même si vous êtes en sneak sur une porte ouverte, ça marche aussi. Voilà. Ça marche aussi. Donc voilà. Hop. Alors, imaginons que vous êtes en Hunger Game ou en mode survie sur un serveur et quelqu'un vous poursuit, il veut vous tuer. Donc voilà, avant qu'il vous voie, vous allez dans votre cabane et vous fermez les portes. Voilà. Et comme les portes... Attendez, je vais essayer de les fermer d'ici. Hop. Et comme votre ennemi ne peut pas ouvrir les portes de l'extérieur, hop, il ne pourra pas rentrer. Donc voilà. Donc là vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Genre des coffres. Même une maison hein. Et pour le bien camoufler, parce que le mec il va dire tiens, il y a un tableau qui tient là, c'est pas normal. Donc vous allez faire une espèce de mur. Espèce de mur. Voilà, une espèce de mur pour que le mec ne se rende compte de que dalle. Enfin, si le mec est... Enfin, voilà quoi. Donc là,
Mettez-en aussi un de hauteur comme ça. Voilà. Donc voilà, là ce mec va dire, oh quel joli tableau. Il va se barrer, il va dire, bon maintenant je vais devoir chercher le petit truc là. Voilà, donc du coup il va pas vous trouver. Tandis que vous, vous serez tranquillement dans votre petite cabane, tranquille, bien caché. Et vous pouvez même faire les sources de survie. Même en Hunger Games, vous pouvez faire ça. Vous pouvez prendre des réserves de bouffe. Et les autres se font arnaquer. Ils se tapent dessus, ils se tapent dessus. Ils crèvent et ils ont faim. Ils meurent de faim. Voilà. Donc voilà, je crois que je vais finir cette vidéo sur... Voilà. Voilà quoi. Donc sur ce mot, je vous dis au revoir et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, nous sommes près de 200 abonnés. Continuez comme ça, vous êtes génial. Donc voilà, c'était Dark157 pour le tutoriel comment faire... je sais plus le nom. La meilleure technique de cache, de la meilleure technique pour se cacher, voilà. Voilà, je vais pas trouver le nom au début. Bah, du coup, je vais appeler cette vidéo tutoriel Minecraft. La meilleure technique pour se cacher en Hunger Games ou en survie, voilà. Donc voilà, c'était Dark157 pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur ce mot, je vous dis au revoir et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Oh.